Salut, c'est Vincent de chez Mathias Sport. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Z900RS. Là, on est dans quelque chose qui retrace l'histoire de Kawasaki parce que ce modèle-là, ce qu'on appelle aujourd'hui et ce qui est beaucoup à la mode, le néo-classique. On tombe sur un look classique des H1, H2. C'est un modèle des années 70-80 chez Kawasaki qu'ils ont refait, mais avec une technologie moderne, avec un moteur avec le même moteur que le Z900 qu'on avait déjà regardé ensemble. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un look avec une grosse teigne ronde. Celui-là, on l'a équipé juste avec un petit saut devant. Ça, c'est un accessoire que vous pouvez voir sur l'avant. Et deux grands compteurs, un compteur de vitesse, un compteur de contour, avec un contour chromé qu'on voyait beaucoup à l'époque. Une toute petite pipe sur le côté qui est chromée aussi. Et puis, quand je vous parlais de technologie, oui, on a le moteur du Z900 avec son traction control, avec plusieurs niveaux. Et puis, on a aussi l'ABS en termes de sécurité sur cette moto-là. Donc, une moto qui est performante, légère, avec un guidon assez large, une position très droite pour la maniabilité. On est sur un modèle qui retrace vraiment l'histoire de Kawasaki, comme je vous ai dit, du néo-classique, avec tout ce qu'on peut avoir comme features qu'on a sur les Z900, on va dire, standard de l'édition. Et ce Z900RS, il se décline en plusieurs versions. Donc on a une version noire, une version édition café et une version spéciale édition avec de différentes couleurs que vous pourrez voir sur le site internet. Et surtout, si vous voulez qu'on vous les développe, n'hésitez pas à venir en magasin, on est ouvert 7 jours sur 7. Il y a un représentant qui se fera un plaisir de vous aider et de vous renseigner sur la machine.